il y a eu des échanges, il y a eu des discussions, parce que je réaffirmais avec le président, comme on l'avait dit l'année dernière, si vous vous souvenez, que nous étions dans une position constructive. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire qu'on est muet. Ce qui veut dire aussi qu'on a la possibilité, on est en démocratie, on a cette chance d'être en démocratie, qu'on a la possibilité d'échanger, de discuter. Donc nous avons pris le temps, en quelques minutes, d'échanger, de réaffirmer notre volonté, en tout cas, à construire avec le département. Moi, je suis conseillère départementale. Je n'ai pas envie d'aller dire à la population, ah ben, je ne peux rien faire pour vous parce que je suis dans l'opposition. Enfin, ce n'est pas comme ça que je construis mon parcours politique. C'est comment, avec les dispositifs existants, comment on enrichit. J'ai l'impression d'avoir été entendu après les OB alors. Bah écoute, alors, moi, depuis que je suis élue, j'ai mis en place des projets avec le collège, par exemple, avec le département, avec les moyens du département. Je reçois des gens qui sont propriétaires et qui n'ont pas, qui doivent refaire leur maison, c'est des moyens du département. Non, mais c'est rare que dans une opposition, moi je suis beaucoup au conseil municipal, l'opposition vote le budget, c'est quelque chose qui se faisait au département. Mais oui, mais là je ne suis pas à la mairie. Je suis dans un département, je suis élue à la mairie de Saint-Denis, je suis élue conseillère départementale, je prends ma responsabilité. Et c'est bien en co-responsabilité qu'on vote un budget parce qu'on se dit de toute façon. À quoi ça me servirait d'être dans une opposition pour torpiller et ne... Enfin, je suis élue, donc encore une fois, je veux me rendre au service des familles.